Bonjour à tous et à tous, on se retrouve sur Hitman Absolution, comme d'habitude. Et aujourd'hui on va attaquer la mission numéro 5, Rosewood. Donc je vous dis bonne cinématique et puis on se retrouve après. Donc bien sûr en puriste, hein, normal quoi. C'est tellement vite quand les enfants ne sont pas là. J'aurais bien voulu les accompagner pour cette sortie éducative. Donc vous l'avez bien compris, on se retrouve dans l'orphelinat. Donc on va voir une petite cinématique. Oh, c'est vous ! Je suis contente que vous soyez là. Victoria est malade. Tout allait bien et tout d'un coup, elle a eu du mal. Son collier. Son collier? Eh bien, il est sur la commode. Elle avait cassé le fermoir, mais je l'ai réparé. Ma sœur, est-ce qu'elle a reçu la visite? Non. Oh. Ils sont ici. Je dois emmener Victoria, et vite. Quel est l'endroit le plus sûr du bâtiment? Eh bien, le sous-sol. Oui, le sous-sol. Alors descendez immédiatement, ma sœur. Je vous retrouve avec elle. Oui, oui, bien sûr. Oh, mon Dieu, sois loué. Oh. Bien. Merci. Vous êtes revenu. Comme vous l'aviez dit. J'ai eu tellement peur. Donc voilà, on est dans l'orphelinat et il va se faire attaquer par... un troupeau de mecs avec des masques bizarres. Donc là, notre but, c'est d'amener Victoria dans un lieu sûr. On la porte et tout, etc. On a remarqué que... Chut, reste calme. J'ai promis à Diana que comment son collier lui permettait de vivre, enfin, entre guillemets. Je sais pas trop réellement... Enfin, je me rappelle plus réellement à quoi il sert réellement son collier, mais il me semble qu'il sert juste à ça. Donc là, on va voir les méchants. Ça va être un niveau, ouais, plus ou moins long. Enfin, il n'est pas non plus. Il est pas non plus très très long, mais on va dire il est très complexe parce qu'il y a vraiment des communistes partout. Non, c'est juste que on n'est pas obligé d'aller aussi loin. C'est Wade. Ouais, ils ont des cagoules de masques, enfin, voilà quoi. Et donc là, on va aller dans l'ascenseur. Peinard tranquille. On va la poser. Et voilà, encore une petite cinématique. Mais là, elle va être minime. Sœur Marie attend au sous-sol. Je vous retrouve là-bas. Et donc voilà, on s'est fait... je sais pas, il doit y avoir des communistes qui ont joué avec les fusibles. Enfin bref, il va falloir qu'on aille chercher des fusibles et qu'on aille les amener. Voilà un peu les masques qu'ils ont. Bon, ceux-là encore, ça va, c'est pas des masques trop moches. On va voir s'ils ont quelque chose. Il y en a certains, c'est vraiment horrible. Peut-être monter un peu le son, moi, parce que j'entends vraiment rien. Ouais, on est en train de chercher. Toujours rien. Je crois que là, je vais pas m'embêter, je vais vraiment tous les tuer. Enfin, tout ce que je peux, bien sûr. Vraiment pas m'embêter avec ça, quoi. J'aimais bien le costume de prêtre, mais bon, je vais pas passer inaperçu rapidement. Enfin, longtemps, je veux dire.
dans la poubelle. Donc bah là il y a vraiment plein de passages partout. Je vais prendre une arme quand même, parce que même si c'est un livre, ça reste une arme. Vraiment des passages partout, c'est très... Voilà, ça c'est de l'arme. Je vais peut-être prendre son costume à lui, je sais pas, il a l'air de plus classe. Oh, ils mettent même pas le masque à gaz. C'est pas cool ça. Donc ici on a un extincteur. Et une zugue. On va peut-être la prendre, on sait jamais. Donc à mon avis, je vais pas la faire sans me faire repérer. Voilà. Donc il me semble que par ici, il y a... un costume de keuf. On va le prendre. Je préfère le fusil à pompe, ça fait plus mal. Bon, faut qu'on se barre. On va pas en arriver. Je sais pas comment il a fait pour venir ici, le Hochet, mais bon. Ça c'est du gun. Je m'y connais pas. Oh oui. Ça c'est du gun. Donc par ici on a un livre. Ouais voilà, regardez, il y a un peu... Il y a un peu de monde quand même. Il dit, ah oui, il venait bien là en plus. J'aurais dû me dépêcher, du coup je m'aurais... J'ai l'air de bloquer ici, mais... Il y a un là, mais il y a une porte. Et je vais me faire chaud. Oh oh. Oh oh. Cet enfoiré essaie de nous avoir. Oh merde. Adieu. Voilà, je suis plus. Flingue-les tous les deux. Oh! En plus, je meurs en me prenant une patate, ça c'est vraiment pas de peau. C'est la première fois que ça m'arrive de crever à cause de. Oui, je vais certainement la recommencer longtemps parce que. Oh, il y avait écrit un truc. La tenue. On finit ce qu'on a commencé. C'est bien. Cool. On doit trouver cette fille. Ouais, je vais prendre cette tenue orange. Merde! Il plaisante pas. Il n'y a rien comparé à ce qui nous attend si on trouve cette fille. On va voir s'ils ont quelque chose. Ouais. Pardon. Ça nous a atteint. Oh. Disparition. On voit que son oreille. Ouais, on va quand même aller tuer celui du bas parce que c'est vraiment un qui est pas cool. Enfin, je veux dire, pas qui est pas cool, mais il va m'emmerder pour la suite, je pense. Ah, okay. Donc un coup de livre. Ça veut pas faire du bien quand même. Et voilà, là c'est la pièce. Donc là il doit y avoir des gens. Ouais. Là c'est la pièce où il faut qu'on amène les fusibles. Mais avant faut aller chercher les fusibles. Enfin, on va pas faire comme. Ah oui mais c'est vrai, je suis en puriste, donc en puriste, ils ont pas les mêmes mouvements et pas. Il n'y a pas autant de. Enfin. Il y a plus de gardes, donc c'est plus complexe. En fait c'est à moi de m'adapter quoi. Vu que d'habitude je le fais tranquille, je passe par ici. Y'a rien. Couteau. Voilà.
Donc là, il doit y en avoir un qui traîne quelque part. Déjà, il y a une seringue, ça c'est sûr. Il y a un robot. Petit robot. Oh les enfoirés. Je me suis fait un flip tout seul. Ça se fait pas. On a une hache. Ça c'est. Oula. En fait, bah, j'ai dû me gourer, il n'y a pas de fusible. À moi qu'ils ont changé les. Oh. C'est moi, il est complètement aveugle. Moi, c'est pas vrai. Je préfère l'âge, quoi. Il abuse, sa faute, je me suis salopé le déguisement. Bon, petit robot. J'espère qu'il n'y en a pas qui vont venir dans ce coin. Là, on a quoi? On a un gars. Là, quand je vais y aller, il va y avoir plusieurs gars qui vont arriver. Mais c'est pas forcément la bonne planque. Oh là, il n'y a pas qu'un gars ici. Taïos. Alors compte combien? Alors, il y en a 1, 2, 3. Putain le mec. Il faut juste se mettre à 3 pour couvrir une. Oh. Et de repérer la tâche de sang. Ils m'ont pas spoté maintenant. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Oh. Couteau. Il est là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas vu repartir, je sais pas si. Oh non! Non, de merde. Maintenant, faut que je cours. Là, ça va être le gros problème, c'est que dès que tu te fais repérer, ils vont tous t'arriver comme des gros rapaces sur la tronche. Et pire, c'est que j'ai chopé un gros calibre et tout, mais le truc, il. T'avais 6 balles dedans, quoi. Mais. Faut que tu fasses quoi avec la carabine ou quoi. C'est vrai qu'on peut pas faire dans les anciens et comme les siffles. C'est cool. Bien si. Ah non, y'a pas de silencieux. Ça aurait été trop bien. Non, il faut la hache. Non, 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 non. Cours. Cachons-nous. Personne ne m'a vu. On soit parti là-bas. Les gars, on a un problème.
En fait, je crois que je vais me les faire tous un par un. Tu vas par où? Tu vas par où? En fait, tu te bats. Quoi? Et tu l'avais pas vu? Oh! Lui, c'est un bleu. Oh non. Tu ne me vois pas. Oh! Oh merde. Tourne-toi et toi, viens par ici. Quoi? Eh mais. Tu peux pas être plus nul, quoi. Tu m'as rapporté des balles? Même pas.